Donc, euh, donc une, une activité supplémentaire. Il euh, no, y a de grands mathématiciens, comme vous avez vu tout à l'heure Étienne Gis. Euh, hier, il y avait euh, un grand ami qui était là, qui est Arthur Avila, euh, qui est médaille fils. Euh, euh, qui a obtenu la médaille fils c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Et là, il y a un autre lauréat de la médaille fils qui est très médiatique, qui s'appelle Cédric Villani, euh, qui devait faire un message, qui devait vous, vous transmettre un message euh, en visio, mais évidemment, il est tellement occupé que ce n'était pas possible. Et donc, il a, à force d'insister, malgré son emploi du temps extrêmement contraint, eh bien, il a accepté de... Enregistrer un message et qu'on va vous diffuser maintenant. Alors, ce message, c'est en gros, je lui avais demandé quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire, c'est comment on en arrive à faire de la recherche mathématique, quelle est sa vision de euh, la recherche et de ce qu'il faut faire pour en arriver là, de euh, comment il voit les maths. Donc, c'est un message très, très personnel et c'est sa vision à lui, évidemment, et c'est ça qui est, je pense, extrêmement intéressant. Donc euh, malgré ces, donc Cédric est en plus d'être mathématicien et maintenant député donc il croule sous le travail et malgré tout il a tenu à enregistrer ce message pour vous. Bonjour, je suis Cédric Villani, mathématicien député. C'est un grand plaisir, c'est un grand honneur pour moi que de contribuer avec cette petite vidéo au 40e anniversaire du CIRM, le Centre international de rencontres mathématiques, un endroit qui a compté et qui compte beaucoup pour moi, qui a compté dans ma carrière, qui compte pour la mathématique au niveau mondial. Euh, mais avant de vous parler du CIRM, je vais vous parler juste un petit peu de mon parcours de mathématicien. C'est à la fois un parcours classique français, au sens où la mathématique est une discipline classique en France. C'est la discipline universitaire dans laquelle la France a le plus d'impact international, encore aujourd'hui. Et ma formation, elle a été avant tout celle d'un jeune mathématicien français. Au fur et à mesure que mon cursus scolaire s'accomplissait, euh, je me suis retrouvé naturellement engagé, dirigé vers des options de plus en plus mathématiques, sans que j'ai vraiment fait de choix, c'était ça qui venait naturellement. C'est une discipline que j'ai toujours appréciée. En particulier, j'ai toujours aimé comment on pouvait en mathématiques s'approprier le sujet, se poser les questions soi-même, avec des éléments de base, en faisant des dessins, en réfléchissant, sans avoir besoin de recourir à l'expérience extérieure, éventuellement en allant chercher des explications, mais avec la possibilité ensuite de pratiquer soi-même. En mathématiques, euh, on vous demande de démontrer une propriété. Vous savez que vous allez devoir utiliser les ingrédients de base d'une démonstration, et vous pourrez vous faire vous-même votre opinion si quelque chose est vrai ou faux. Vous pourrez vérifier par vous-même. Vous, vous n'êtes pas forcé de faire confiance à l'enseignant, à l'enseignante. Alors que dans toutes les autres disciplines, il faut faire conscience que vous n'avez pas toutes les clés. Si c'est en biologie, vous devez faire confiance sur les observations concernant les cellules. S'il s'agit de physique, vous devez faire confiance sur les observations concernant les lois qui régissent l'électricité, les atomes, etc. etc. Alors qu'en mathématiques, une fois que vous avez les axiomes, les règles de base, vous êtes maître à bord. Vous vérifiez, expérimentez par vous-même. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. J'ai vu une forte dimension ludique très tôt. Et euh, en particulier quand, en classe de quatrième, je me souviens, notre professeur a commencé à nous expliquer ce que c'était qu'une démonstration mathématique. Je me souviens très bien de cette séance. Et pour euh, caricaturer, depuis la quatrième jusqu'à ma soutenance de thèse, ma formation mathématique, ça a été chaque année de pouvoir réaliser des démonstrations plus complexes que l'année précédente. Et au début, euh, une démonstration complexe, c'était enchaîner quelques arguments pour un problème de géométrie du triangle, un problème assez simple. Et à la fin, c'était enchaîner 100 pages ou davantage de démonstrations euh, sur de la modélisation mathématique de problèmes d'issue de la physique pour comprendre un subtil effet qui était prévu par la physique théorique, des choses comme ça. Mais, il n'y a pas eu de rupture, de continuité entre ces petites démonstrations simples et ces démonstrations énormes, gigantesques, d'une très grande complexité. Ça a été progressif. Au fur et à mesure, euh, il y avait de plus en plus de, de complexité dans mes démonstrations. Je vais rendre hommage à certains de mes enseignants qui ont été particulièrement efficaces à transmettre leur passion. Euh, quelques noms me reviennent en tête euh, mon professeur de troisième monsieur vincent professeur de seconde monsieur denise je me souviens des toutes les, tous les exercices tous les problèmes qui donnaient en plus des cours tous ceux sur lesquels j'ai pu chercher des jours ou des semaines ou des mois des petits exercices euh, qui venaient en complément des cours en plus je vais rendre hommage à mes professeurs de classe préparatoire à la marie monsieur Chevalet Classe préparatoire, pour moi, ça a été un moment extrêmement intense de ma vie, dans lequel j'ai pu me plonger dans les questions mathématiques en continu, avec une énorme intensité, avec d'autres étudiants, mes condisciples, qui étaient eux aussi complètement plongés dans le bain. C'est quelque chose de très obsessionnel et en même temps, ça a été comme une grande libération pour moi, quelque chose de... Des années très importantes aussi socialement, le fait de pouvoir travailler ensemble avec des élèves passionnés. Et puis, école normale supérieure. Donc, je me suis retrouvé à 19 ans, élève à l'école normale supérieure en mathématiques, sans avoir jamais fait de grand choix sur ce qu'allait être ma vie, sans savoir ce que j'allais euh, devenir, quel métier, qu'est-ce euh, qu que j'allais faire au jour le jour et le système français était ainsi fait, et quand dans ma supérieure j'en avais pas conscience, c'est l'établissement dans le monde, avec l'université de Princeton, qui a formé le plus de médailles Fields, et tout ça, je n'avais pas conscience, j'avais conscience que mathématiques c'est quelque chose d'intéressant, de grandes interrogations quand même à ce moment-là sur qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, et pourquoi faire telle ou telle branche avec l'idée que euh, peut-être j'allais me diriger vers une branche scientifique avec une utilité importante, avec des, des applications importantes et euh, des tiraillements sur quoi faire, quelle, quelle discipline en particulier, quelle sous-discipline. Quand j'étais euh, au lycée, c'était la géométrie euclidienne, ma matière favorite. En classe préparatoire, c'était l'algèbre. Finalement, pour diverses raisons, des bonnes et des moins bonnes raisons, une fois à l'ENS, je me suis retrouvé à faire de l'analyse, puis des équations aux dérivées partielles, avec l'idée de faire quelque chose qui serait bien appliqué. Euh, je me suis retrouvé à commencer une thèse avec euh, le mathématicien Pierre Lullions, qui a reçu la médaille Fields juste après qu'on avait commencé à discuter de possibles euh, sujets de thèse. Et au début, j'avais demandé un sujet dans lequel il y ait... Des applications dans lesquelles on puisse voir le retour, l'implication du scientifique dans la société. m'avait lancé sur un sujet, l'équation de Boltzmann appliquée aux gaz plus ou moins raréfiés, qui au début me disait pas grand-chose. Ça ressemblait à la thermodynamique, à la physique des gaz. Ce n'était pas tellement un sujet qui m'avait passionné quand j'étais en classe préparatoire. Et pourtant, sans que je puisse dire vraiment pourquoi, mais à quel moment je suis tombé amoureux du sujet, de l'équation. Au début, je voulais un sujet qui ait des applications importantes, et finalement, je suis tombé amoureux du sujet pour sa beauté théorique, esthétique, pour tout ce qu'il y avait de mystère dans l'équation, sa façon de combiner des problèmes de mécanique des fluides, des problèmes de théorie de l'information, des problèmes d'analyse, des problèmes de géométrie aussi des problèmes fondamentaux, on se demande avec l'équation de Boltzmann, qu'est-ce que c'est la flèche du temps, l'irréversibilité, pourquoi il y a un passé et un avenir, qu'est-ce que c'est que le désordre moléculaire. Si l'équation de Boltzmann a été une des clés importantes pour euh, démontrer indirectement l'existence des atomes, des molécules, c'était à la fin du 19 siècle avec les Boltzmann, Maxwell. Euh, tout ça, ça s'inscrit donc dans une histoire scientifique, philosophique et humaine extraordinaire. La découverte de la structure de la matière avec des choses aussi variées que l'avènement de l'informatique, qui n'aurait jamais pu exister sans la, la découverte de la structure de la matière, ou la bombe atomique, ou la... Biologie moléculaire et euh, toutes les... y compris dans ces développements récents, l'interface entre biologie, chimie, physique, euh, les recherches sur l'ARN, les recherches sur la, 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 tout ce qui euh, va avec l'expression génétique du corps et tout ce que vous voulez. Donc, dans une équation particulière, l'équation de Boltzmann, il y avait l'inscription dans toute une gigantesque histoire humaine, scientifique, culturelle. Qui, que j'ai trouvée absolument passionnante. Et pendant des années, ma vie, ça a été presque jusqu'à l'obsession, travailler sur l'équation de Boltzmann. Et puis de fil en aiguille, quand on se présentaient, par le hasard des rencontres ou des lectures, des directions de recherche liées à l'équation de Boltzmann, je me mettais à explorer de nouveaux horizons. Au début, extrêmement spécialisé et puis de plus en plus euh, généraliste avec différentes cordes à mon arc influencé par euh, différentes personnalités mathématiques, mon directeur de thèse Pierre Lullions, mais aussi mon tuteur de l'époque Yann Grenier, le probabiliste français Michel Ledoux, en, euh, qui a fait l'essentiel, le, le gros de sa carrière à l'université de Toulouse, ou encore euh, le mathématicien américain Eric Carlen, qui a été euh, enseignant à Princeton, à Rutgers, et que, avec qui j'ai aussi eu une sorte de coup de foudre mathématique et qui m'a énormément inspiré. Ces quatre m'ont apporté des idées, et des visions différentes et on retrouve leur influence dans les articles que je me suis mis à écrire et à publier. La, la vie de recherche, quelque chose qu'on apprend pendant sa thèse et je suis tombé aussi amoureux de cette vie-là, avec son lot d'imprévus, de mystères. Est-ce qu'on va y arriver ou pas Quand le sujet de recherche arrive, même votre directeur de thèse ne sait pas s'il y a une solution, peut-être qu'il vous a lancé sur une fausse voie. Et de fait, bien souvent, vous changez la voie, vous changez l'approche. Et à la fin de ma thèse, les sujets sur lesquels j'avais obtenu les résultats les plus marquants n'étaient pas les questions que m'avait posées mon directeur de thèse. C'est d'autres questions qui s'étaient posées en cours de route. Il y avait eu beaucoup de rencontres et de collaborations dans cette thèse. Ça avait commencé très mal parce que j'étais occupé par des activités complètement différentes au sein de l'association des élèves à l'École normale supérieure. J'étais occupé par l'organisation de grandes activités du bureau des élèves, depuis le club échec jusqu'au bal du bicentenaire de l'ENS, en passant par les activités cirque, les activités liées à la musique, les activités liées au théâtre, tout ce que vous voulez. Ça avait failli être la fin de ma carrière scientifique et donc elle avait commencé de façon euh, chaotique et difficile dans la souffrance cette thèse et puis à la fin de la thèse je savais que je voulais devenir chercheur enseignant chercheur que c'était quelque chose de passionnant dont j'avais pas idée auparavant et qui m'avait euh, donné la satisfaction de résoudre des problèmes sur la, la vitesse à laquelle le désordre augmente dans un gaz confiné un problème qu'on avait commencé à aborder avec Giuseppe Toscani à Pavie, que j'avais rencontré à l'époque, donc dans la lignée de ses de travaux d'Eric Carlen, mais aussi des contributions à l'étude du transport optimal, la façon la plus efficace de transporter des matériaux d'une configuration initiale vers une configuration finale. Un problème dont je n'avais pas la moindre idée, jusqu'à ce que, en l'occurrence, Giuseppe Toscani me raconte toutes les applications que ça avait pu avoir dans l'étude dans de, de la théorie des gaz. Et puis, lequel Yann Brenier m'a montré combien c'était intéressant pour des problèmes de mécanique des fluides, pour des problèmes d'équation de, de la chaleur. Je me suis retrouvé par ce jeu des rencontres à collaborer avec un jeune mathématicien allemand, Félix Otto, sur l'interface entre l'entropie des gaz, le, le transport optimal, qui relève plus donc de, de l'optimisation économique, et aussi le, le, les équations de la chaleur les théories de Fourier, les, 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 les théories probabilistes de la chaleur, et à faire des contributions qui se sont avérées être à l'interface ben, entre plein de domaines, entre euh, mathématiques euh, et physique, avec la, la, la théorie de la physique statistique, l'entropie et la géométrie. On a été après, euh, plus tard, avec d'autres collaborateurs au début des années 2000, après ma thèse donc, juste après ma thèse, en collaboration avec le Canadien Robert McCann, avec euh, l'américain john lot et avec d'autres on s'est retrouvé à être dans un groupe de mathématiciens faisant une sorte de synthèse découvrant un pont entre des propriétés qui s'expriment plutôt dans le langage des gaz et d'autres qui s'expriment plutôt dans le langage de la géométrie voici l'un de nos résultats de façon extrêmement simplifiée euh, la courbure c'est une qui a trait à la notion de courbure la courbure c'est une notion qui au début vient de la géométrie il y a des surfaces courbées positivement comme la sphère des surfaces courbées négativement comme euh, une selle de cheval avec euh, voyez, une courbure qui va d'avant en arrière comme cela avec un creux à l'intérieur pour vous retenir sur le cheval mais un creux qui est euh, mais de, quand on va de droite à gauche pour laisser passer vos jambes c'est plutôt comme un, comme un pont. Et donc ça, c'est courbure négative quand c'est courbé dans un sens et dans l'autre. Euh, qu'est-ce qui fait que, euh, qu'est-ce qui caractérise géométriquement le fait que la courbure peut être positive ou négative eh Bien, il y a une façon, euh, en termes de, de trajectoire de rayons de la lumière. Dans la foulée des travaux d'Einstein et d'autres, on sait que la masse a tendance à courber les rayons lumineux. Si vous êtes dans un univers courbé positivement, quand vous observez les étoiles, quand vous observez des, des sources lumineuses, eh bien par un effet d'optique en courbure positive, les surfaces vous apparaîtront plus grandes qu'elles ne sont en réalité. L'étoile vous apparaîtra plus grosse qu'elle n'est en réalité et ainsi de suite ça c'est la caractéristique d'un univers courbé positivement. Et maintenant, voici une caractérisation complètement différente d'un univers courbé positivement. Imaginez que euh, vous, avez, vous êtes en présence d'un gaz avec euh, toutes les molécules et vous avez le pouvoir, comme un pouvoir magique, de réorganiser le gaz, de donner des ordres au gaz, passer d'une configuration dans une autre. Et vous avez une configuration initiale de ce gaz dans laquelle il y a des... Euh, zones de haute densité, des zones de basse densité, et vous imposez qu'en une minute, le gaz se transforme, change de configuration, et pendant sept minutes, le gaz va obéir, et passer de la configuration initiale à la configuration finale, mais comme il est paresseux, il va le faire avec les déplacements de molécules qui requièrent le moins d'énergie. Et tout au long de ce processus, entre la position initiale et la position finale, vous enregistrez l'évolution du désordre du gaz avec la notion, l'entropie utilisée par Boltzmann et les autres physiciens. Et si cette courbe de désordre est toujours, si la, la courbe que vous observez est toujours une courbe concave, avec euh, un, une, euh, une entropie qui va être plus importante au milieu, au temps intermédiaire, qu'au temps initial et au temps final hein, ça, c'est la trajectoire d'une courbe concave. Alors, c'est que vous êtes dans un espace à courbure positive. Quel est le lien entre la première notion qui relevait de l'optique et la deuxième notion qui relevait de la physique statistique, voire de l'économie, parce qu'on demande un transport à coût minimal On ne le voit pas a priori. Euh, J'ai écrit tout un ouvrage de presque 1000 pages qui est en grande partie appuyé sur justement les liens entre la première et la seconde formulation, tout ce qu'on peut en déduire, tout ce qu'on comprend mathématiquement quand on arrive à faire ce lien. Ça va des équations très complexes à des visions extrêmement molles et générales. Ça a permis de résoudre certains problèmes ouverts qui étaient posés en géométrie. Par exemple, savoir si une limite d'espace à courbure positive est elle-même un espace à courbure positive. Ça a apporté beaucoup d'imprévus. J'insiste sur ce fait. En mathématiques, la première qualité d'un chercheur, d'une chercheuse, c'est la curiosité et l'imagination. Et d'aller à la rencontre de l'imprévu. La science, après tout, c'est une démarche dans laquelle on se lance à l'assaut de l'inconnu et où on défriche quelque chose qui n'était pas prévu. Il faut beaucoup de ténacité pour ça, beaucoup de rigueur, certes, mais vous ne faites rien sans l'imagination sans l'enrichissement que représentent les rencontres, sans le, tout le grand tumulte international difficile et passionnant que représente la recherche. Et cela se fait à travers des colloques, à travers des rencontres, à travers des échanges en courrier électronique, à travers des centres comme le CIRM, dans lequel les mathématiciens, les mathématiciennes du monde entier se retrouvent régulièrement. Pour échanger sur certains sujets, pour confronter leurs visions, pour débattre et pour progresser collectivement. Et je peux citer de ces centres le centre de Luminy, donc le CIRM, le centre de le centre de Berkeley, le Mathematical Sciences Research Institute, le centre de Paris, l'Institut Henri Poincaré que j'ai dirigé pendant des années, où quelque chose se fait d'inattendu, d'extrêmement productif, prolifique, et quelque chose qui est une belle construction humaine et scientifique. Je vous souhaite de connaître ce même genre d'émerveillement qui vient avec la recherche, qu'elle soit faite comme un passe-temps ou comme une passion professionnelle. Donc ceux, ceux qui le souhaitent, vous pouvez retour, retourner au forum. Évidemment, il va y avoir, hein, il va y avoir encore des activités. Euh, y, vous, vous pouvez retourner voir les expos, le forum, etc. Si vous, euh... Et je crois qu'il marche.